Je voudrais commencer ce stream en faisant un petit préambule, puisque je voudrais décliner toute responsabilité concernant ce qui va suivre. On va étudier un shmup, et un shmup. Comment? Moi, je créerai une catégorie juste pour lui, c'est les nanars du shmup. Oui, parce que je vais quand même vous resituer l'action. On est en 1982, et donc quand Omori Electric décide de faire. Il veut pas que je le dise. Et donc, quand Omori Electric s'engage sur la difficile voie de création de jeux vidéo, on sent qu'ils se disent Defender est sorti l'année dernière, on va faire notre Defender et il va être vachement mieux. Est-ce qu'il va être vachement mieux? Comment ça, vous avez un indice à la tonalité de ma voix? Non, détrompez-vous, pas du tout. Vous êtes médisant, hein, vous commencez à devenir comme moi, c'est bizarre ça. Peut-être là, j'ai fait gaffe. Et tata, capture du jeu donc. Est-ce que ma petite victime s'affiche? Oui, on dirait le petit Nicolas. Oh là là. Donc si vous avez des amis daltoniens, ah bah c'est le moment, hein. Vous les appelez, vous les envoyez sur le stream. Ils vont vous dire ce que ça représente réellement tous les trucs à l'écran. Oh, c'est méchant ça. Battle Cross, fais-nous voir ton gameplay en intégralité. Oh, tous ces ennemis. Bon, déjà, on voit qu'il y a profusion dans les sprites. Avec beaucoup de couleurs, toujours. Hein. Surtout ce laser sheep qui est à proprement parler improbable, en fait. Est-ce que je suis prêt à vous faire voir Battle Cross? Honnêtement, pas du tout. Mais je vais le faire quand même. Oh là là. Donc, nous ne scrollons pas parce que c'était trop difficile à programmer, hein, si vous avez bien observé. On reste sur un écran qui est statique en fait, avec un pseudo-effet de mouvement avec la planète qui roule en bas. Et donc on a des ennemis qui arrivent non seulement d'en haut, d'en bas, mais aussi de gauche et à droite. Et on peut tirer uniquement à gauche et à droite. Donc ma top priorité, c'est bien me méfier de ce qui arrive au-dessus, au-dessous, je crois. On va vérifier ça, puisque c'était la théorie, et maintenant nous passons à la pratique. Faut que je tienne 5 minutes là-dessus. J'ai rien de chrono, j'ai déjà envie de pleurer moi. 2 minutes. Casse-toi de là-bas. Casse-toi de là-bas aussi. Alors on peut pas bloquer le vaisseau dans une position. J'aime beaucoup la partie audio. Quel cynisme. Où ça? J'en ai pas vu. Essayez pas de me déconcentrer, je suis focus à fond là. La planète elle se plaigne. Non. Non, 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 non. En bas, en haut, surveille en bas, en haut, c'est le plus important. Gauche-droite, t'as une chance d'y flinguer. En bas ou en haut, tu peux rien faire. Oui, je m'automotive, vous connaîtrez tous les secrets de TBG maintenant pour arriver à jouer dans les jeux qu'on ne connaît pas. Il était peut-être un peu long, cela. Ça y est, j'ai fait les 5 minutes, j'ai fait les 5 minutes, les 5 minutes, elles sont passées. Je peux rentrer, je suis rentré chez moi. Comment ça, c'est pas la bonne planète? Ouais, elle est un peu rouge, celle-là, on dirait Mars. Ah! Bon, voilà, on va quand même revenir à nos mutants. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel univers interactif s'ouvre vraiment avec des ondes radio mortelles. Je vais passer là-haut, moi. Je suis là, je suis là, je suis là. Hé hé, oh, hé. Il voit rien, mais en bas, il pense. Bon, ça c'est. Ah, un pixel près. Je l'avais bien nargué, hein. Peut-être un petit peu trop narrier pour ce coup là. On va continuer puisque l'aventure se renouvelle, regardez. Ouais, je m'attendais quand même à. Ah, faire moins de conneries déjà et d'une. Il va me démarrer sur le nez lui. Putain, c'est vraiment du pixel près quoi. Bon, oui, je l'avoue, c'est moi qui mets une très très mauvaise foi sur ce coup là. On l'a refait avec des trucages. Là, je suis safe. Là, je suis pas safe. Et là, je pourrais être safe si je faisais un petit effort. Oh putain, pour viser les trucs, c'est un calvaire. Et là, je vais pas être safe. Mais il va bien entendu en avoir un qui va m'attendre là. Faux, faux, faux. C'était beau, ça, c'était beau. Donc, j'ai été un petit peu médisant au lancement du jeu en disant que bah, il y aurait pas de scrolling. Si, il y en a un. D'ailleurs, on voit un fond étoilé très détaillé. Et qui est uniquement visible pour les chauves-souris.
j'ai trouvé mon chemin là, je bouge plus les gars. Oui, je vais. J'imagine que je suis dans un rideau de boulettes, dans un danmaku. Et qu'il faut pas trop que je bouge du coup. Bah on se console comme on peut. Hein. Alors le tir, des fois il touche, des fois il touche pas. Hein. C'est un petit peu. Ah ! Et il me renvoie dans le cosmos avec le boss. C'est le boss ! Nous voyons le boss en vrai. Ne nous approchons pas trop, pas qu'il n'ait peur. Et je suis en train de lui faire des petits trous, il me tire à une vitesse. C'est juste pas décent. Le boss, on va pas aller plus loin. Il n'y a pas une méga bombe. Une méga bombe. Une méga bombe. Non, il connaissait pas ce terme-là. Vous savez quoi? Une fois que j'aurai fini de vous montrer ce jeu, je vais vite dans Defender. Finalement, Defender il était vraiment facile en comparé. Mazette. Ce qui va arriver à dégommer le boss. Dégommera-t-il le boss? Le boss? Le boss? Il revient. Il est passé par ici. Bah, forcément. Il m'a éclaté la gueule. Et il le remet en plan en plus. Oh purée, on va jamais arriver les gars. Bon le boss. Imaginez la tronche qu'il a une fois que je dégomme ça. C'est bon, vous avez matérialisé? Parce que là je vais pas continuer, je regarde le chrono. 6 minutes 15. Saved by the bell. Oh zut, j'ai pas eu le temps d'appuyer pour continuer, quel dommage. Est-ce que ce jeu est sélectionné? Est-ce que vous me posez réellement la question? Non, 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 non. Non, non, non. Il y a des moments... faut arrêter. Ce jeu, hélas, je sais pas quand il a été lancé en chantier, mais il est sorti bien trop tard. End, tu arrives pas à valider? Il est sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Donc, je suis vraiment très désolé, mais ce jeu va filer à la malle au grenier. Adieu, Battle Cross. Je vais te mettre bien au fond de la malle, parce que j'ai pas l'intention de retomber sur toi avant très très longtemps. Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique. Je vous laisse avec les playlists habituelles, la généraliste, celle des shmups et le bouton d'abonnement. Tadadam.